c'est François de la chaîne Tutu News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment installer sur vos Mac tous les logiciels que vous souhaitez. Par défaut, depuis quelques années, Apple ne permet plus de le faire. Ce que vous trouvez donc dans votre panneau de configuration confidentialité, c'est ce que vous allez trouver juste ici. C'est-à-dire que vous n'avez plus que deux lignes. Donc la ligne qui permet de télécharger les applications de l'App Store ou alors des applications de développeurs connus de l'App Store. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir installer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir cette troisième ligne que vous avez juste au-dessus. Allez, c'est parti, vous allez voir, il faut juste quelques minutes et le tour est joué. On se retrouve derrière le Mac. Alors voilà, là on se retrouve derrière le Mac et vous allez aller dans l'onglet préférences système. Ensuite, vous allez aller dans la petite cabane, donc sécurité confidentialité. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc en bas, autoriser les applications téléchargées de. Donc là, vous voyez que vous avez l'App Store et vous avez App Store et développeur identifié. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter donc une troisième ligne juste en dessous là, qui nous permettra donc d'installer tout ce qu'on veut. Alors, on va ressortir, on va aller dans le Launchpad, vous allez aller dans l'onglet Autres, voilà, que je vous entoure là juste maintenant. Ensuite, vous allez aller dans le Terminal. Et une fois que vous arrivez sur le Terminal, vous voyez que le nom de votre Mac s'affiche ici, et encore, moi j'en ai enlevé un petit peu. Et alors, à cet endroit-là, donc juste après le petit S un petit peu comme dollar, vous allez taper ce que je viens de vous mettre juste à côté. Donc ça, c'est un exemple. Hein, donc le sudo SPCTL et ainsi de suite. Vous respectez bien les espaces. Et une fois que vous aurez fait ça, donc il va vous demander de rentrer le mot de passe qui est lié donc à votre identifiant et donc à votre Mac. Vous le rentrez. Donc ça va être transparent. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc ressortir. Vous allez aller maintenant vérifier dans donc la cabane sécurité confidentialité et vous allez voir tout de suite maintenant que là vous allez pouvoir installer des logiciels qui viennent de n'importe où. Donc cette fameuse ligne que nous n'avions pas avant. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez installer des logiciels directement via le net ou certains logiciels qui ne s'installaient pas avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout va pouvoir vous aider à installer un petit peu ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, à ciao, c'était François.